Allez, c'est parti pour la deuxième partie du Let's Play. Après 1 heure de voyage un petit peu à travers Zelda, dans le premier Let's Play, on est en 4K à 60 images par seconde. Et on continue notre aventure. Alors, on a enfin trouvé les 4 sanctuaires que nous a demandé notre personnage de barbu. Le barbu, en fait, au tout début de Zelda. Donc, on est au début de l'aventure, hein, bien sûr. Et là, maintenant. Je recherche l'endroit où peut se retrouver justement ce premier personnage PNJ, personnage non joueur, qui est allié avec nous en tout cas. Et pour le retrouver, il nous a dit qu'il fallait looker en fait les quatre ici sur la carte, les quatre sanctuaires. Donc j'ai un sanctuaire ici, un sanctuaire là, là et là. Et normalement le centre de ces quatre ici. Alors moi j'ai mis un tampon ici. Il devrait se retrouver à peu près au centre de tout ça. Alors on va voir. On va voir si on le trouve. Hop. Ou si est-ce qu'il faut obligatoirement passer à nouveau par la... Comment dire? Faut-il passer à nouveau par la tour, obligatoirement? Ou est-ce qu'on va réussir à le retrouver nous-mêmes? Ce qui nous a précisé de marquer les 4, et puis en fait que la jonction entre les 4 donnerait son emplacement. Alors, excusez-moi, 2-3 secondes, je dois ouvrir un chat. Je reviens tout de suite dans l'immédiat, et voilà, c'est déjà fait. Et voilà, cette interruption qui n'a duré que quelques secondes. Alors, serait-il dans cette zone ici? Où te trouves-tu, vieil homme? Vieux barbu grincheux. Il veut que je récolte certaines choses pour lui. Oh! Ça, c'est pas beau. Ça, j'aime pas faire ça. Bon, je sais pas où il est. Ça se trouve, on est obligé d'aller relier les 4 points pour déclencher. Son apparition, ce serait un peu dommage. Secondes. Allez! Rentre là. Voilà. C'est bon, je suis là, je suis pas parti longtemps. Allez, je positionne un peu mon matériel. Et c'est reparti. Alors où se trouve-t-il? Alors ça c'était le dernier. Ici. Au milieu. Bah pour moi au milieu c'est plus par ici. Hein. Ah je pense qu'ils veulent absolument qu'on monte la tour. Hein, ça se trouve. Bon allez, on va aller à la tour, on va pas chercher. Alors, la tour est là. Il y en a d'autres par là-bas. Les autres là-bas, on peut pas les atteindre. Non. Ah si, peut-être.
Non, non, on peut pas les atteindre pour l'instant. Tant qu'on n'a pas cette fameuse paravoile. Alors, eux, ils vont m'embêter. Mais il y a de l'explosif et ça me fait plaisir. On va peut-être essayer de s'amuser avec eux. Ça, je crois pas que ça peut se couper. Hein. C'est un peu gros. Non, c'est trop gros. Faire rouler ce tronc d'arbre directement sur eux. Ce serait fort. C'est ça que j'aime bien dans ce Zelda. Le côté systémique. Oh, je sais pas si ça va pas aller au bon endroit. Vous avez vu ce que j'ai vu? Là, ça peut être amusant. Et ben voilà. On a réglé leur compte. Tu m'embêtes pas. Je veux la paravoile. Alors, si je saute... Non, ça c'est l'inverse. Alors vous voyez qu'on joue à Zelda dans un mode graphique évolué et sans cel shading. J'ai essayé de retirer, on a retiré le côté fade. En même temps j'aurais pu me téléporter tout en haut rapidement. Huh?
Si je look tout... Non, c'est pas ça. Voilà. Modifier les balises. Alors moi je suis sur une manette PlayStation 5. Alors je sais plus le moins et il est situé où. Baliser. Aucune balise n'est disponible. Alors comment supprimer des balises que j'ai déjà? Le moins. Ah, c'est peut-être là que je peux les modifier. Voilà. C'est bon ça. Ok. Maintenant, il faudrait que je balise. Mais différemment. Attendez. Les différents sanctuaires. Ok. C'est ça qu'il faut faire, il me semble. Hein. Oui. Et le dernier qui est là-bas. On a celui-là aussi. Ah, j'ai pas tout compris, je pense. Vous avez obtenu l'emblème du triomphe de chacun des sanctuaires. Le vieil homme est apparu à nouveau. Avant de disparaître, il vous a dit, vous attendez au centre de la croix qui relie les quatre sanctuaires. Au centre de la croix qui relie les quatre sanctuaires, non? Bah, si je les relie ici... Si je relis ici et là, il doit être ici. Pour moi, il ne peut être que là.
Bon, allez, je me téléporte ici, on va bien voir. On a le soleil qui est en train de se coucher. Alors, si je regarde la carte, il devrait être dans le temple. Il serait bien par ici, le garçon. Et oui. Et là, qu'est-ce que ça donne? Toi qui as surmonté les épreuves et obtenu les emblèmes du triomphe, donc ça c'est positif. Si tu souhaites, je peux t'offrir plus de puissance contre 4 de tes emblèmes. Que souhaites-tu recevoir? Ah, le problème c'est que j'ai le vieux qui veut des emblèmes aussi. Donc j'ai pas envie de tout refaire. Je vais m'assurer quand même que je dois pas après refaire toutes les épreuves éventuellement. Ah bah voilà, et ben c'est bon, on l'a trouvé. Si on va avoir assez d'énergie. Oui. Oui, nous sommes pas à la moitié. Où es-tu? J'évite de tomber. Je l'ai vu de là-haut, il se cache où? Là. Nous y voilà. Félicitations, mon garçon. Allons. J'imagine que le moment est venu de te révéler qui je suis. Il parle enfant. Je m'appelle Roam Bosphoramus Hyrule. Autrefois, il y avait un royaume du nom d'Hyrule. Je fus son dernier roi. Dernier roi d'Hyrule.
Le royaume est tombé il y a 100 ans, à l'époque du grand fléau. Cela, tu le sais déjà. Quant à moi, je n'ai pas survécu à la tragédie. Mon âme seule est restée attachée aux ruines de mon royaume perdu. Je n'ai pas voulu te raconter tout cela dès ton réveil, alors que la mémoire te faisait défaut. Il m'a semblé préférable de dissimuler mon identité pour un temps. Pardonne-moi. Mais à présent, tu dois savoir. Je vais te raconter ce qui s'est produit il y a un siècle. C'est au sein même du royaume d'Hyrule que Ganon le Fléau a vu le jour il y a bien des siècles, avant de renaître comme l'incarnation du mal absolu. L'histoire de Ganon nous était parvenue sous la forme de lointaines légendes et de récits folkloriques. Mais tout changea le jour où un devin du royaume fit cette prophétie. La terre porte les signes de la résurrection imminente de Ganon le Fléau, mais dans ses entrailles, elle cache également le moyen de le juguler. Guidés par ses paroles, nous avons fouillé la terre, jusqu'à mettre au jour un grand nombre de reliques, fruits du savoir et de la technologie de nos lointains ancêtres. Les créatures divines, 4 gigantesques machines de guerre à l'apparence animale, et une armée de gardiens, des soldats mécaniques, capables de livrer bataille sans intervention humaine. Ces découvertes corroboraient l'histoire qui nous avait été portée par la légende. Celle de la princesse qui possédait le pouvoir de sceller le mal et du chevalier élu de la lame purificatrice. Combattant aux côtés des reliques, ils avaient vaincu le démon de l'ancien temps. Il y a 100 ans, il y avait également une princesse et un proche chevalier au royaume d'Hyrule. Nous avons donc décidé de marcher sur les traces de nos ancêtres. 4 jeunes gens au talent exceptionnel, venus des 4 coins du royaume, furent ainsi choisis pour manœuvrer les créatures divines. Tous furent placés sous le commandement de la princesse et nommés prodiges du royaume. Entourée de ses 5 prodiges, la princesse avait désormais toutes les chances de parvenir à endiguer le fléau. Pourtant, lorsque Ganon ressurgit finalement des entrailles de la terre, sa manœuvre nous prit tous par surprise. Même du château d'Hyrule, prit le contrôle des gardiens et des 4 créatures divines et les retourna contre nous. Les prodiges qui pilotaient les créatures périrent en même temps que les habitants du château. Quant au chevalier, il défendit la princesse jusqu'au bout avant de s'effondrer. C'est ainsi que le royaume d'Hyrule fut dévasté par Ganon le Fléau. Seule, la princesse avait survécu. Et seule, elle fit face au terrible Ganon. Link, le reste dépend de toi. Tu es notre dernier espoir, le seul qui nous reste. Je t'en prie. Cette princesse, c'est ma fille Zelda. Ah, c'est son père. Il a plus d'importance. Quant au chevalier qui l'a protégé jusqu'à la limite de ses forces, eh bien, c'était toi, Link. Tu as combattu vaillamment ce jour-là jusqu'à la mort. Par chance, on a pu te conduire au sanctuaire de ce plateau. Il a fallu un siècle entier pour que la vie coule de nouveau dans tes veines. La voix qui t'a guidé à plusieurs reprises depuis ton réveil est celle de ma fille. Elle lutte.
Elle oppose à Ganon une résistance sans faille et le garde enfermé, prisonnier des murs du château. Seulement, le pouvoir de Zelda atteindra bientôt ses limites. Quand elle ne pourra plus le retenir, le monstre retrouvera sa forme originelle et s'abattra sur Hyrule de toute sa puissance. Je sais qu'un roi qui a si mal protégé son royaume n'a pas le droit de demander une telle faveur. Mais je n'ai pas d'autre choix. Détruis Ganon. Mon peuple et ma fille ne peuvent plus compter que sur toi. Mais tu dois savoir que les quatre créatures divines sont toujours sous l'influence de Ganon. Quant au château d'Hyrule, il est toujours défendu par une armée de gardiens. Atteindre le château dans l'état où tu te trouves relèverait du miracle. C'est pourquoi je te suggère de commencer par te rendre dans un petit village à l'est d'ici. Il s'agit du village de Cocorico. C'est là que vit une femme nommée Impa. Elle saura t'indiquer le chemin à emprunter. La carte de la tablette Sheikah indique l'emplacement du village de Cocorico. Commence par traverser les monts Géminé. Puis, prends la route qui part vers le nord. Ça y est, on a la paravoile. Grâce à elle, tu vas pouvoir t'élancer depuis les falaises de ce plateau. En plus de ça, on a un super arc. Et on n'a pas assez de place. Alors pour utiliser la paravoile, c'est X. Donc en fait, faut sauter une seconde fois. C'est comme un double saut. Ça marche. Alors il m'a parlé de l'est, nord. Donc l'est, ce serait par là. Bah, de toute façon, c'est indiqué. Ouh! Ça c'est cool. Est-ce qu'on peut relâcher et la relancer? Non, ouais, je peux lâcher, ça reste comme ça. Ok. Ça devrait suffire. Gardons nos meilleures armes quand on a le danger. Et là, ça me permet de partir de la zone de départ. Car pour l'instant, on n'est pas sorti de tout ce plateau-là. Le plateau du prélude. Et ça c'est fort, on va enfin pouvoir aller vers de nouvelles contrées. Yes. Voilà, là c'était la limite.
On pouvait pas aller plus loin. Et grâce à la paravoile. C'est parti. Allez, go! Essayons d'aller le plus loin possible. Eh oh, t'as perdu ta tête, toi. J'adore ces monstres-là. Hein. On est obligé de l'affronter ou je peux le fuir? Il est énorme. Hein. C'est bon. Ça devrait suffire pour rejoindre le sommet. Yes. En plus, depuis cette hauteur, on va rejoindre le village beaucoup plus facilement. Est-ce qu'on affronte? Je les affronterai bien avant. Ok. Ah.
Oh, ils sont nombreux. Non! Bon. Comment changer le mode? Ok, c'est là. Je sais pas comment. Difficile en fait. On va essayer de les avoir avec les bombes. C'était pas ce que je voulais faire. C'était pas du tout ce que je voulais faire. Et comment je fais péter? Ok, je suis encore en vie et j'en ai affaibli. Comment je me sers correctement de ces bombes-là? Décidément, je fais n'importe quoi. Ok, je vais y aller en furtivité. Je vais laisser rouler la bombe et la faire péter. Parce que là, en fait, je sais même pas comment la faire péter pour l'instant.
Left. Ok, c'est comme ça. Voilà, on libère un nouveau coffre. Super. Alors, eux, ils doivent être mieux équipés que d'habitude parce qu'ils étaient plus balèzes que d'habitude. Épée de soldat. Et on va aller voir ça. Ça, c'est super top. Ou c'est l'épée que j'avais perdue? Bah non. 10, 14. Ok, super. Top. Ça, c'est bien. L'équipement évolue. Super arc. On va faire de la place. Parce que là, ça vaut le coup. Puissance d'attaque augmentée. Il est en bois, donc faut éviter de l'approcher du feu. Ok. Allez, on va faire un petit peu de cuisine.
Les stars, la jauge d'endurance. Ok. Bon, alors ce fameux village. Il est pas à côté, hein. Oh, il est au courant là. Il y a moyen de réussir à traverser ça. Oh, un autre camp. Ça, c'est quand même super pratique. La batte beaucoup, c'est déjà mieux, hein. Parce qu'avant on avait des massues beaucoup. Toi, je t'avais pas vu, toi. J'adore ce côté comme quoi ils peuvent perdre leurs armes et ils doivent les récupérer avant de pouvoir se battre. Ça, c'est bien foutu. Thank you.
Oh. Des rubis. Je reprends, c'est une chose. J'ai pas pris le bonus du. Mince. Le bonus qui était dans le sanctuaire ici, histoire d'avoir plus de vie, plus d'endurance ou quelque chose comme ça. Mais le problème, c'est que si j'y retourne, j'ai pas de point ici où je pourrais facilement me téléporter. Donc pour l'instant, on va pas y penser. On va se diriger encore vers le village, le fameux village. Pont d'Arfan. Ah oui. D'accord. Merci pour les flèches. Ça, c'est génial de pouvoir récupérer les munitions comme ça. Pas descendre de leur C'est le chef. Ah.
On a une belle tour. Cette tour peut non seulement être un moyen de voir plus haut, de découvrir un trésor et puis d'atteindre aussi la hauteur. Serait-elle pas plus haute que d'habitude? C'est pas possible. Non. Je me suis trompé de touche pour la paravoile. Mince. Ah oui, là ça j'aime moins. Ces abrutis. Eh, le chef là. Je vais réussir à aller jusqu'en haut. J'ai l'impression que c'est calculé exprès pour que l'endurance manque au dernier moment. Regardez ça. Je n'y avais pas pensé avant. Là, ce serait bête quand même. Peut-être quand même des meilleurs arcs que les autres. Hein. Peut-être pas que mon principal, mais que les petits de 4. Hein. Ah.
Ouais, pas vraiment. Si, arc de voyageur. J'en ai deux, j'en avais qu'un. Allez, il manquait pas grand-chose. Hein. Là, ça devrait le faire. J'ai pris de plus haut. Logiquement, ça va passer. Oui. Ok, bon, c'est pas grand-chose, mais en tout cas, je vais pouvoir me servir de cette hauteur pour atteindre plus facilement. Ah. Il y a un truc ici. Et là-bas, nous avons... Alors, comment modifier les balises? Non, c'est pas grave, voilà. Je sais où il se trouve. C'est déjà pas mal. Est-ce que j'essaie de rentrer là-dedans? Ce qui est pas mal de prendre le sanctuaire maintenant, c'est que ça me pourrait me permettre d'avoir un point de téléportation. Oh. C'est bien qu'il y a du danger dans les forêts, hein. C'est pas encore gagné. J'ai parcouru tout mon souffle. Je peux grimper dessus. Oui. Super ce sanctuaire. Donc. Qu'est-ce que tu fais là? N'abîme pas mes fleurs. Oh, un personnage. Ok, t'inquiète pas.
Qu'est-ce qui se passe? Link. Prends garde. La nuit de la lune de sang. Les pouvoirs de Ganon sont à leur paroxysme. Les âmes des monstres qui errent sur Terre retrouvent alors leur enveloppe charnelle. Link, prends garde. Ok. Ça. Eh ben, elle est pas facile. Chaton. Donc on arrive dans un cinquième sanctuaire. Pas sûr d'avoir fait à l'époque où j'avais fait le jeu sur Switch, enfin une bonne partie du jeu, un quart du jeu je pense, hein. C'est pas non plus énorme. J'avais quand même vu beaucoup d'autres choses, mais je sais pas si ce sanctuaire là je l'ai fait. Ça me dit rien du tout, le passage avec les fleurs. J'ai pas dû le faire. Toi qui as pénétré ce sanctuaire, et Hiro met à l'épreuve au nom de la déesse Ilia. Sanctuaire d'Hiro Ira. Ok.
Bien sûr, pouvoir grimper directement. Il y a du courant. Ah oui. Ok, j'ai compris. Je peux pas grimper. Donc, ce que je peux faire, c'est me servir de mon super pouvoir. Ça me dit pas quelque chose quand même. Ok. Des bombes. Ok. Non. Là, on va plutôt changer avec ça. Ah, je vais faire une réaction en chaîne. Peut-être juste ça. L'énigme était assez simple. Est-ce que ça se limite à ça? Eh ben on dirait que oui. Hein. C'est bien, ça va me faire un point de téléportation dans tous les cas, et peut-être quelque chose en plus. En triomphant de l'épreuve, tu as prouvé que tu étais digne du titre de héros. Est-ce qu'on va avoir un pouvoir en plus? On va pas en avoir à l'infini non plus. Je pense qu'on va être plus limité là-dessus. Peut-être un autre bonus. Qu'est-ce que c'est que ça? Un emplacement supplémentaire, quelque chose? Le cœur? Une vie en plus? Mon devoir est désormais accompli, puisse la déesse Ilia te protéger dans ta quête. Est-ce qu'elle va nous embêter encore avec ses fleurs ?
Bon, super tout ça. Ça, on peut toujours... On peut pas s'en servir, je pense pas. Et résultat, maintenant, j'ai un endroit où je peux me téléporter. Résultat, je pourrais facilement passer de là à là. Et ainsi, récupérer... récupérer le bonus que j'ai oublié de prendre. Allez, on y va. Parce qu'il me semble que j'avais le droit à quelque chose dans l'espèce d'église qui pourrait me donner de l'endurance. J'avais le choix entre l'endurance, de la vie en plus. À voir. Ah mince, c'est le passage que j'aime pas trop là. Avec les monstres. Voilà, on va aller à l'église. Ouais, c'est ça que j'aime pas. Voilà, c'est ce que je disais. Allez, c'est bon. D'ailleurs, je pense que maintenant, avec la paravoile, je dois pouvoir aller dans différentes régions, de différents coins. Pas uniquement l'endroit vers lequel je suis dirigé. Non ! Laisse-moi tranquille, toi. Allez, on va aller à l'église, et je pense que pour cette partie-là, ce sera bon. Pour ce let's play numéro 2 sur Zelda Breath of the Wild, édition 4K, 60 images secondes, et avec une nouvelle approche graphique qui n'a plus l'effet cel shading, et ni les couleurs ternes, mais plutôt des couleurs beaucoup plus vives. Ruine du temple du temps. Oui, c'est là, j'ai quelque chose à récupérer ici. Quelque chose d'important qui me servira pour chaque bataille que je vais mener. Ça a son importance. Toi qui as surmonté les épreuves et obtenu les emblèmes du triomphe, si tu le souhaites, je peux t'offrir plus de puissance contre 4 de tes emblèmes. Alors c'est bien parce que j'en ai 5. Moi j'ai déjà entamé. Parce qu'à chaque fois c'est payant, d'accord. Donc plus un cœur en plus, c'est pas mal ça. Plus d'endurance, c'est vraiment pas mal aussi. Cœur en plus ou endurance ? Je pense que c'est important d'avoir de la vie en plus. Allez, un cœur en plus. Yes. Et en plus, dans ma première aventure sur Switch, il me semble que j'étais pas revenu là-dessus et je n'avais pas de cœur. À chaque fois, je faisais pas évoluer mes cœurs. J'avais pas compris qu'il fallait retourner à l'église, certainement. Je restais sur le début des cœurs. Ça se trouve, j'ai accumulé les gemmes comme ça, mais j'ai pas pris par la suite. J'ai jamais dû retourner à l'église, ça doit être pour ça. Il était peut-être une fois et après, voilà. Bon, et bien voilà pour ce deuxième let's play sur ce Zelda qui est magnifique. Une espèce de Zelda haute définition, même 4K. Donc une nouvelle édition, une sorte de nouvelle édition non officielle de Zelda Breath of the Wild.
Et donc, voilà pour ce second let's play en 4K 60 images secondes aussi. Et je vous dis à bientôt pour la suite. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un like, histoire de m'inciter à faire d'autres vidéos de la sorte. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao !